J'espère que ces fonds de vidéos vous ont plu. Vous allez pouvoir y mettre tout ce que vous voulez et animer vos diapositives ainsi. Regardons en détail la première diapositive et je vais aller dans le volet d'animation. Vous voyez que pour tous les éléments, il y a énormément d'animations. Si on regarde, lire tout, regardez ce qui se passe. Il y a toutes les animations, aussi bien lorsqu'elles arrivent que lorsqu'elles repartent. Il y a même des sons que vous n'êtes pas obligé de mettre, mais bon, vous pouvez prendre un élément qui vous convient. Personnellement, je trouve que les animations sont un peu rapides, mais bon, pas le problème, ça peut s'arranger. Vous voyez dans l'autre, c'est la même chose. Si on lit en diaporama, le fond qui arrive et les éléments, là, tout est arrivé en même temps et repart quasiment en même temps. Après, pour l'autre, c'est la même chose, etc., etc. Toutes ces animations, elles existent et vous pourriez vous en servir très facilement. Par exemple, ici, je vais rajouter une diapositive et je décide de mettre un élément de cette diapositive, c'est-à-dire ça, juste l'herbe. Donc, je fais CTRL-C, je vais dans ma diapositive vide et je fais CTRL-V. Et j'ai l'herbe qui arrive. Maintenant, je vais regarder ce que ça donne. On va aller dans Organiser, volet de sélection. Et donc là, on voit le rectangle. Si on enlève le rectangle, on ne l'a plus. Ici, on va enlever ce qu'il y a au-dessus. Et si on enlève ça, eh ben, on n'a plus rien du tout. Donc après, votre herbe que vous avez mise, vous pouvez la mettre tout en bas. L'agrandir ou pas, c'est à vous que cela revient. Ici, par exemple, j'ai entendu qu'il y avait un son. Il y a une animation. Donc, je vais aller voir le style d'animation. Ici, vous avez comme animation le son. Et il démarre avec la précédente. Si on enlève ce son, normalement, on n'a plus. On n'a plus le son. Ah, et on a le son à la fin. Donc, notez celui-là. Voilà, ici, on a encore un son. Donc, on va annuler et on va supprimer le son. Donc vous voyez que vous avez la possibilité de prendre un élément et vous pouvez trouver facilement la durée de l'animation que vous voulez mettre pour chacun d'entre eux. Vous avez ici l'option des effets, le minutage, le délai. Vous pouvez changer la durée automatique, mais vous pourriez choisir de mettre plus de temps si vous en avez envie. On ne va pas le faire. Là, vous avez envie du ciel bleu, vous copiez. Vous pouvez faire CTRL-C ou copier avec la souris. Par contre, pour coller, ce qu'il faut, CTRL-V. Là, le fond, bien sûr, se retrouve par-dessus. Donc, il suffit d'aller dans les réglages et le mettre à l'arrière-plan. Vous pourriez très bien décider, non pas de mettre la suite, mais de mettre autre chose. Par exemple, cette route, pied. CTRL-V, je mets la route, je vais chercher l'autre partie, CTRL-C, CTRL-V, je mets celui-ci en avance, corps, arrêt, premier plan, j'avance pour qu'il soit au-dessus de l'autre et par contre, on va descendre un peu pour qu'on voit bien l'herbe. Vous pouvez donc continuer avec cette partie. On va aller dans l'autre diapo. CTRL-V. On a un petit nuage que l'on peut modifier si l'on en a envie. Là, et après, on peut mettre un bâtiment. On va faire copier. Je vous fais n'importe quoi. Hein. Vous ferez comme il faut. Donc ici, CTRL-V. Et on a un bâtiment qui se trouve là, le long de la route. On peut mettre cette partie, copier et coller et on va voir que ça va se mettre en image. Voilà, donc là on va pouvoir formater l'image, le rogner, le mettre beaucoup plus petit. Ça, vous avez vraiment la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Et là, vous amenez votre herbe de chaque côté jusqu'au bout et votre bâtiment. Ça, on va le mettre par derrière, parce que du coup, il est au premier plan et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, on peut mettre le bâtiment ici. On peut mettre cette boutique dans notre CTRL-V et nous avons la boutique. Enfin, donc, tous les éléments. Ici, on a par exemple les arbres. Je vais prendre un arbre, je vais le copier. CTRL-V, je mets l'arbre. Lorsque vous faites CTRL-V, cela prend aussi l'animation qu'il y avait. Donc, je veux un deuxième arbre, je clique droit et
je copie ici et je peux très bien en mettre un autre ici si j'ai envie et le faire un peu plus grand qu'il est en avant sur le plan. Et si par exemple je trouve un soleil, je peux trouver un soleil et on va faire CTRL-C, CTRL-V et voilà, on a notre soleil en entier que l'on va mettre ici. Je ne sais pas comment elles vont être les animations parce que du coup elles vont pas être dans l'ordre que j'ai forcément envie de les voir à la fin, mais ça c'est pas le problème puisqu'on peut les changer de place. Vous chercherez le son dans les animations pour pouvoir l'enlever. Il faut juste cliquer droit, option d'effet, et là vous voyez tout de suite s'il y a du son ou pas. Vous pouvez le faire à chaque fois que vous ajoutez un élément, comme ça c'est plus facile à trouver où se trouve le son. Sur cette diapositive, je pourrais très bien ajouter en plus une forme, un modèle 3D par exemple. Je vais rajouter par exemple un véhicule, puisque nous avons une route. Je vais prendre une bleue pour qu'elle se voit bien. Alors voilà ma voiture, je peux la mettre sur la route. Ma voiture que je peux animer elle aussi, ajouter une animation. Alors on va rétrécir ça. Je mets ma voiture ici et j'ajoute une animation, une ligne qui va la faire aller jusque de l'autre côté, jusqu'ici. On va regarder. Elle est très rapide notre voiture, donc on va pouvoir lui donner un petit peu de temps. Donc on va enlever le démarrage en douceur, on va aller dans le minutage, après le précédent, et ici on va lui donner 3 secondes, parce qu'il faut qu'elle traverse toute la diapositive. Et vous pouvez très bien rajouter sur votre voiture une personne à l'intérieur, mais je vous laisserai faire comme vous voulez. Voilà, je voulais juste vous montrer qu'avec des fonds déjà prêts, c'est vraiment très pratique de réaliser d'autres présentations, d'autres diapositives et s'en servir pour d'autres projets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourrez vous procurer ces différentes diapositives dans ce template que vous pourrez retrouver dans la bibliothèque. Pensez à vous abonner, à partager et à laisser vos commentaires. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.